Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, lundi 18 juillet 2016, je profite que mon téléphone se recharge afin de retourner jouer à Pokémon Go juste après pour vous présenter une distribution Linux du nom de Ubuntu Qt. Ubuntu Qt, c'est quoi? Ça vient de sortir, c'est nouveau, et ben c'est une Ubuntu plus l'environnement de bureau LXQt. Donc je démarre la machine virtuelle. On va voir l'installation, comment ça se déroule depuis le live CD, et on va voir ce qu'on a de beau dedans. Donc c'est parti, on voit que le DVD a été basé sur une Lubuntu. Donc on va voir un peu ce qu'on a de beau dedans. Donc là, le live est démarré. Par contre, visiblement, la session live, il faut un identifiant et un mot de passe. Mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, on ne peut pas tester en live. On est obligé d'installer en dur. Donc, je redémarre la bécane. Je mets français et j'installe l'Ubuntu. Donc, on va l'installer. Et puis, tant pis. Une fois que ce sera installé, on redémarrera et on regardera ce qu'il y a dedans. Donc, on a l'outil d'installation traditionnel. Donc, je ne vais pas faire les mises à jour. Et je ne vais pas installer les greffons. Oh, si, allez. On installe les pilotes propriétaires. On fait continuer. Donc là, on voit que c'est l'assistant d'installation traditionnel. Je fais effacer le disque et installer l'Ubuntu. Voilà, donc comme d'habitude, on a une grande partition avec tout dedans, plus une swap. Il n'y a pas de home séparé. Je fais Paris, clavier français. Là, je mets mon nom. La machine virtuelle. Enfin, le nom de la machine, Ubuntu Qt. Et le mot de passe qui va bien. Donc l'image ISO a été basée sur la Lubuntu 16.04, à la limite Ubuntu plus LXQt, ça fait l'Ubuntu aussi. Bon, ils ont appelé quand même leur édition Ubuntu Qt. Donc je suppose que l'assistant d'installation a encore besoin d'être personnalisé. Donc l'installation, elle va être très rapide, puisque le disque virtuel, je l'ai mis sur mon disque dur SSD. C'était pour vous montrer l'installation de la distribution, mais que ça ne prenne pas non plus 3 plombes. Donc là, vous voyez, c'est effectivement l'assistant d'installation de la Lubuntu avec LXDE. Et celui-ci n'a pas été personnalisé. On a encore les captures d'écran de LXDE. Voilà. Donc sur le SSD, ça va vite. Les paquets français sont installés. Télécharger et installer. Je sais pas si on voit ce qu'il installe exactement. Voilà, on va le laisser terminer.
Voilà, donc l'utilisateur est créé, les paquets linguistiques installés, et le tout va être démarré. Donc là, ça fait 5 minutes 20 secondes que la vidéo est lancée, et donc sur SSD, c'est installé. Donc le temps que ça démarre et que je fasse ma petite intro, comptez 5 minutes sur SSD. Mais que ce soit une Calculate Linux, une Ubuntu Qt, une Ubuntu, une Mageia, Fedora et compagnie, ou même du Windows 10 sur du SSD, c'est très très rapide. Donc maintenant que c'est installé, que Grub est installé, on va s'apprêter à redémarrer la machine virtuelle. Ça fait rire parce que j'ai vu le nom de paquet Ubiquiti, ça me fait penser à la marque des bornes Wi-Fi. Mais ça n'a strictement rien à voir. Voilà, donc c'est terminé, on redémarre. 6 minutes 30 d'install. Et puis, cette fois-ci, on démarre la Ubuntu. Enfin, la Ubuntu Qt. Alors, faut appuyer sur Entrée parce que le petit voyant comme quoi l'installation est terminée, qu'il faut retirer le média, ne s'est pas affiché. Voilà. Donc, il y a, vous avez vu sur le SSD, il n'y a pas eu le temps de voir le grub et on n'a pas eu le temps de voir l'écran de chargement. Donc, ça sert à rien d'avoir un Plymouth vu que on n'a pas le temps de le voir avec les disques d'aujourd'hui. Voilà. Donc là, on est connecté dans la Ubuntu Qt. Donc c'est sympa. Donc le LXQT livré, c'est le LXQT 0.10. Donc d'un point de vue Logitech, je vais passer rapidement dessus, on a beaucoup d'applications KDE, Kate, KCalc. Dans autres, on a le gestionnaire d'archives. Alors là, on voit qu'il en manque un bout. On a PCMan FM comme gestionnaire de fichiers. Voilà. Alors dommage, il n'est pas traduit en français. Propos. Voilà, mon PCMan FM 011. Ah oui, donc on a un mix de LXQT 010 et 011. J'ai l'impression. Donc dans bureautique, on a LibreOffice. Voilà, donc LibreOffice 5.1. Alors, on voit que le thème Dark, c'est sympa. Moi, j'aime pas trop le thème Dark parce que vous voyez, quand on a la feuille blanche, par exemple, de LibreOffice, ça fait un contraste assez élevé entre la feuille blanche et l'interface. Mais sinon, le thème Dark est sympa. Enfin, le thème sombre. Donc, dans le graphisme, on a les petits outils GWNView, KSnapshot, Ocular. Donc, on n'a pas GIMP. On voit donc qu'on a quand même beaucoup d'applications en Qt et qui font partie de KDE. On a Firefox, bien sûr. Donc Firefox qui est en français. Je vais regarder vite fait le thème, mais voilà, le thème Arc Dark Theme a été utilisé pour Firefox, ce qui fait que ça se marie bien dans le thème sombre de LXQt proposé par Ubuntu Qt. Le Firefox est un 47. Badabada. Donc dans les outils système, ah bah oui, on a K6Guard, donc le moniteur système. Et on se rend compte que l'ensemble ne mange en 64 bits que 324 mégas de RAM. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et j'ai ouvert des applications. Donc je vais refaire un redémarrage pour voir combien ça bouffe une fois que le système est lancé. Processeur au repos, donc QBitTorrent pour le client BitTorrent, le terminal c'est QTerminal,
Donc malheureusement, pas en français. Q-terminal qui est quand même un terminal un peu plus léger que la console avec un K. L'ensemble utilisé prend 4,4 Go, comme vous le voyez. Alors par contre, la traduction française de Q-terminal, c'est pas tout à fait ça. Dans la programmation, donc on a je ne sais pas quoi, on n'a rien. Dans son et vidéo, on a SM Player bien sûr, un lecteur de multimédia en Qt. Alors, pourquoi il m'a ça? À propos de SM Player, donc celui-là, c'est un SM Player compilé avec Qt5, parfait. Bon, le thème de SM Player est bof bof, hein. Par défaut, SM Player ne ressemble pas à ça. Je suppose qu'il y a un thème particulier qui ne me plaît guère personnellement. Interface, voilà, GUI interface basique. Mais non, c'est pas ça. Le thème là autour est vraiment étrange. Hop, voilà. Icône default. Style default, c'est plutôt les icônes à mon avis. Voilà, ça c'est le thème par défaut de SM Player. On a Clémentine. Donc là, le suspense va résider à savoir si c'est un Clémentine Qt5 ou non. La réponse est non. Clémentine 1, 2, 3. Et c'est un Qt 4.8. Donc on n'a pas le Clémentine Qt5 qui est encore en développement. Ouf. Dans les préférences, donc on a le centre de configuration de LXQT. Donc qui est semblable à celui de KDE, mais en beaucoup plus minimaliste. Donc l'apparence ici, c'est le thème Breeze. Avec les icônes Numix. Et le thème utilisé, c'est système. Voilà. Donc je vais voir par contre s'il est possible de mettre un peu plus français, mais ça a l'air d'être déjà en français. Dommage. Parce qu'on a encore pas mal de petits bouts en franglais, et ça, c'est dommage. Voilà. Sinon, bien sûr, on a la possibilité de gérer le style des applications GTK. Donc ici, toutes les applications GTK utilisent le thème Arc Dark. Mais on peut mettre aussi Breeze. Je ne sais pas si Ubuntu fournit le thème Breeze GTK. Ça permet quand même d'avoir une certaine homogénéité dans les applications. Et voilà. Donc ça, c'était le tour rapide de la Ubuntu Qt. Il n'y a quand même pas grand-chose à dire, puisqu'il n'y a pas grand-chose dedans. Je vais faire un redémarrage pour voir combien la distribution bouffe au démarrage en mémoire RAM. Parce que tout à l'heure, on a dit 300 mégas, mais j'avais ouvert du LibreOffice, du PCMan FM. Donc là, j'ai pas le temps. Uptime, c'était pour voir le temps de démarrage, mais on est à 0 minutes. Précise pas les secondes. C'est pas grave. Et donc, dans les outils système, je relance K6 Guard. Et donc, à vide, ça prend moins de 300 mégas. Donc, c'est du light. Bon, ça répond vite parce qu'on est sur le SSD aussi. On a pas mal d'applications de KDE. Le petit point négatif, c'est que on est quand même encore pas mal en version anglaise du système. Pas mal de petits trucs en anglais. Donc là, pour gérer les paquets, on a Synaptic.
Donc on va voir si on peut mettre Q terminal en français, mais non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de paquet éventuellement linguistique pour Qterminal. Préférence. À moins qu'on n'ait pas du tout de traduction française pour ce terminal-là. Ça, c'est encore possible. Ce qu'on va faire, on va regarder. Alors par contre, excusez-moi si je rame un peu. Voilà, je n'ai pas trop l'habitude des distributions Debianesque et Ubuntuesque. Mais ici, on voit dans les dépôts qu'on a les dépôts officiels. On a quand même pas mal de PPA. On a le PPA Numix, je suppose, pour les icônes. On a un PPA l'Ubuntu Dev, sur lequel je suppose les paquets LXQT vont être piochés. Et puis on a un PPA pour les pilotes graphiques. Alors les pilotes graphiques, est-ce que c'est utile? Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais chez Ubuntu, on a tout normalement. L'Ubuntu Dev, bon, je ne sais pas ce qu'on a dedans. Et puis Numix, bon, juste pour un thème d'icône. On va pas trop leur en vouloir. Mais je vais regarder un truc sur un site que j'utilise régulièrement qui est pkgs.org. On peut voir les dépôts, enfin les logiciels qui sont contenus dans les dépôts suivant les distributions qui sont listées ci-dessous. Donc je vais taper Numix pour voir si les icônes. On voit ici que les icônes Numix sont fournies dans le dépôt Ubuntu Universe. Donc pourquoi ajouter un PPA pour ça alors que c'est déjà disponible? Et puis LXQT, il est fourni en 0.10 dans le dépôt Ubuntu Universe. Alors pourquoi ajouter un dépôt l'Ubuntu Dev? Sachant que LXQT est quand même fourni par défaut dans les dépôts Ubuntu. Voilà. Bon, alors, c'est pas une saveur officielle. LXQT en lui-même, il n'est pas terminé, quand même, je trouve. Il manque encore pas mal de choses. Mais l'intégration est pas mal dans Ubuntu Qt. Mais je pense qu'il faut quand même attendre que le projet LXQT mûrisse avant de le fournir par défaut dans une distribution Linux, parce que c'est encore un petit peu léger le travail. On n'est quand même pas à la même maturité que LXDE. Donc sur ce, j'arrête la distribution et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, cette vidéo n'ayant pas duré très très longtemps. Allez, ciao.